C'est ça, merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui pour communier avec nos militants et sympathisants parce que nous avons créé ce parti jour pour jour le 22 mai 2018. Normalement, aujourd'hui c'est notre troisième année. Mais dans un parti politique, c'est le jour où on donne le récépissé qu'on commence la comptabilité. On a obtenu d'autres récépissés le 26 décembre 2018, mais on a créé le parti officiellement le 22 mai 2018. Donc c'est historique, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de venir ici avec les membres du comité exécutif national, les membres du bureau politique pour communier avec nos militants de la Casamance. La Casamance qui est notre base naturelle, c'est tout à fait normal que cette date historique-là, nous venons ici vraiment pour la fêter. Nous sommes dans une coalition qui s'appelle la grande majorité présidentielle. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez nettement que personne ne pourra partir ici en Casamance sans nous. Donc ça c'est clair. Le moment venu, on attend le président de la République, Macky Sall. C'est lui qui est le président de la coalition. Mais rassurez-vous, la SDD Yonou Natangé aura bel et bien sa place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la percée de la synergie pour un développement durable Yonou Natangé. Vous qui êtes là, vous savez qu'en ce moment, en Casamance, on ne peut pas parler de parti politique sans la synergie pour un développement durable. Et nous voulons rassurer la Casamance dans sa globalité, les Sénégalais, qu'ici, en Casamance, il n'y aura aucune élection que la grande majorité présidentielle va perdre. Toutes les élections, que ce soit les élections municipales, les élections départementales, les élections législatives comme présidentielles, on va les remporter la main haute. Ça c'est clair et c'est moi qui vous l'ai dit. Nous, tout ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de faire avancer le pays. C'est de sortir la Casamance vraiment de la pauvreté. C'est de tout faire pour que les projets de son excellence, le président de la République, Macky Sall, vraiment sortent. C'est ça notre objectif. Mais regrouper entre amis pour dire qu'il y a un pacte de tel, ce n'est pas consensuel.